call me the nasty beast. Waist down in the masterpiece. You should be rolling me. You should be rolling me. Vous allez bien. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui sont ici. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc, moi, c'est Ariane. Donc, dans le fond, si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est parce que vous m'avez trouvé sûrement quelque part et que vous étiez intrigués de voir qui je suis. Donc, moi, je suis une YouTuber québécoise. Donc, voilà mon accent. Et j'aime parler de mode, de beauté. J'aime parler de lifestyle, de musique, comme vous avez pu voir au début avec ma petite chanson. Puis j'aime parler vraiment de sujets un peu tabous aussi. Donc voilà, c'est moi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, un gigantesque haul parce que j'ai vraiment, vraiment plein d'affaires à vous montrer. J'ai du linge, des produits pour le visage, du maquillage, j'ai un livre. Fait que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc on va commencer maintenant pour pas que ça soit trop long parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup d'affaires. Donc, en premier, je vais commencer par les vêtements, tiens. Ça, c'est un chandail que ça fait quand même longtemps que j'ai, depuis le 6 avril, parce que c'était au show de Rihanna. Donc, je m'étais acheté, là, il est plein de poils, mais je m'étais acheté ce chandail-là de Rihanna, comme ça. Vraiment beau et super belle là-dessus. Et vous avez, en arrière, vous avez comme toutes les dates du Rihanna Anti-World Tour. Ensuite, j'ai un chandail que ça faisait vraiment longtemps que je voulais me procurer. Donc, c'est les chandails de hashtag Chloé. Vous avez sûrement entendu parler d'elle sur Facebook. Elle fait plusieurs concours. Donc, moi, je me suis procuré celui-là. Achète-moi de la pizza. Parce que moi, là, j'adore la pizza. Ok, moi, j'ai pris lui parce que j'aime vraiment la pizza, puis c'est ça, elle fait vraiment des beaux chandails, c'est toute elle qui les dessine. Je vais vous écrire dans le fond où vous pouvez la trouver, donc vous pouvez la trouver sur Instagram et Facebook, fait que je vais écrire ça juste ici. Donc dans le fond c'est Chloé, donc c'est ça, elle les fait elle-même, puis il y a vraiment plusieurs modèles, mais moi c'était lui qui m'attirait parce que comme je vous dis, j'adore la pizza. Ensuite, j'ai des vêtements de chez Garage, ça fait quand même longtemps que je les ai achetés, mais je ne les avais pas montrés. Donc j'ai décidé de vous montrer ça. Donc j'ai une camisole comme ça ici que j'ai vraiment portée parce que je l'aime trop. Donc c'est une petite camisole comme ça qui monte juste ici. Je pense que je l'ai portée dans plusieurs vidéos, mais c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle monte un peu haut, fait que c'est comme crop top, mais c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Puis surtout là, je l'aime trop avec ce collier là, ça fait super beau. Ensuite, je me suis pris une jupe comme ça. Elle est vraiment belle. Si je ne me trompe pas, c'est comme style rodéo qui appelle sur le site. Je l'ai pris dans extra small, ok? Mais elle me fait pas, elle est encore trop grande. Comme il manque encore un bon... ça. Mon père a essayé de mettre des boutons, mais ça n'a pas marché. Fait qu'on va les enlever, puis je vais juste aller au nettoyeur. Ben, les places où qui arrange les vêtements, puis je vais le faire raccourcir parce que pour ce plat, parce qu'il est extra small, fait qu'il n'est pas plus petit, puis je l'aime vraiment, fait que j'avais pas envie d'aller l'échanger ou la faire rembourser, fait que je vais juste aller la faire raccourcir, c'est tout. Ensuite, j'ai un chandail comme ça que je voulais justement porter avec cette jupe-là, mais j'ai pas pu. C'est vraiment un chandail normal qui monte comme ça, col roulé. Puis à manches longues noires, donc très basique, mais c'est ça, c'est le fun à mettre avec des jeans ou des jupes. Ouais, c'est vraiment beau. Ensuite, j'ai du Forever 21. Donc ça, je l'ai acheté à cause de... c'est Just a Look sur YouTube, c'est Justine. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans les... voyons, la barre d'infos. Donc c'est ça, c'est elle qui avait acheté ça, puis j'ai vu dans un haul, puis j'étais comme « Oh my God! » That's perfect. I need it. Je le voulais trop. Fait que dans le fond, c'est une combinaison. Fait que ça, dans le fond, il faut les acheter séparément. Donc, c'est un petit top comme ça ici. Un petit top, un petit sweatshirt dans le fond. Oh my God, la couleur est tellement belle pour de vrai. Là, c'est, je l'aime. Puis ce que j'aime, c'est qu'il est fait
court, là, vous le voyez pas, là, mais il est fait court en bas, donc ça monte, fait que ça fait différent de juste comme une combinaison comme ça. Puis, un pantalon comme ça. Donc, c'est la même couleur, ça va avec, c'est juste que ça s'achète séparément, donc il est fait comme ça ici, puis les bouts sont faits serrés dans le bas, donc c'est vraiment le fun à porter, c'est super confortable, puis vraiment joli, fait que tu restes fancy même si t'es en mou, c'est vraiment ça que j'aime. Ensuite, j'ai des Vans que j'ai acheté au Little Burgundy. Donc, si vous me suivez sur Instagram, puis si vous suivez mes vlogs, vous les avez vus. Donc, ils sont tellement beaux! C'est ceux-là! Oh my god, la couleur est juste trop belle pour de vrai. Là, sont comme, sont parfaites. Là. Ça fait vraiment comme été. Oh my god, je les aime trop. Pour de vrai, la couleur est trop belle. Ça ressort trop bien à la caméra. Et voilà pour mes Vans. Si vous voulez savoir c'est quelle coupe, parce qu'il y en a des différentes, c'est les Old School. Donc, Assad. Ensuite, j'ai été chez Sephora. Oh my god! Ça faisait longtemps que j'avais pas été chez Sephora. Donc, je me suis acheté une coupe d'affaires. Puis j'ai eu mon petit cadeau de fête gratuit aussi. Donc, je vais vous montrer ça tout de suarte. Premier, il y a la collection de Tarte Rainforest, si je me trompe pas. Ouais. Rainforest of the Sea. Voilà, mon anglais, là. Donc, c'est la nouvelle collection, là, style mer, etc. Je me suis procuré le bon pour les lèvres. Donc, il y en a 4. Puis moi, j'ai choisi Opal. Et voilà, Opal. Donc, le packaging, il ressemble à ça ici. C'est vraiment joli pour de vrai. Là, comme les couleurs sont trop belles des packagings. J'ai juste pas envie de le défaire. J'ai le goût de le laisser dans son emballage. Il y a 4 couleurs. Puis tous les packagings sont différents. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau. OK? Peux-tu avoir quelque chose de plus parfait dans la vie que ça? Les couleurs sont juste écœurantes, les motifs. Donc, il y en a vraiment plein d'autres, il y en a 4 autres, comme je vous dis. Mais c'est ça, c'est tout des packagings différents, là. Fait que, oh my god, I'm in love, c'est trop beau. Fait que quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Oh wow, je l'avais même pas vu encore. Ah, c'est moi ou ça sent la menthe? C'est une couleur quand même nude, fait que c'est vraiment comme un baume hydratant. Je vais le swatcher, voir si ça fait une couleur. Non, ça fait pas de couleur. Oui, ça sent vraiment la menthe. Il y a de la menthe là-dedans. Ça sent frais. J'ai hâte de mettre ça sur mes lèvres. Ensuite, j'ai un autre produit pour les lèvres. Ça vient de sortir il y a à peu près 2 semaines, 2-3 semaines. C'est les Melted Matte de Too Faced. Il y a plein de belles couleurs. Toutes les couleurs, c'est vraiment des couleurs que j'adore. C'est des couleurs que je porte. Fait que j'avais le goût de toutes les avoir. Mais j'ai pris celui-là ici. Red. C'est difficile à dire. Donc, le packaging est super beau. C'est-tu pas magnifique? Genre, oh my god, j'aime tellement ça que ça soit transparent ici. C'est juste trop beau. Voilà à quoi ça ressemble. Voyons, je l'ai mal swatché, mais j'aurais dû swatcher là, mais en tout cas, vous voyez là. Oh my god! C'est trop beau! J'aime trop ça! Wow. Wow. Juste wow! Fait que, et voilà pour le Melted Matte de Too Faced. Puis c'est sûr que je vais m'en procurer d'autres. Ils sont écœurants. Puis moi, là, c'est ça que j'aime. C'est vraiment les long wear lipsticks. J'aime que ça dure toute la journée. Comme en ce moment, je porte lui de Anastasia, Pure Hollywood. Puis ensuite, j'ai un autre produit de Tarte. Donc, c'est la tartelette Tease. Donc, ça, c'est le petit emballage. Je me l'ai procuré, c'est parce que quand je suis chez mon copain, j'ai pas envie de m'emmener toutes mes ombres à paupières, une grosse palette pis tout. Fait que je me suis dit, je vais être capable de l'ouvrir. Je me suis dit que j'allais me procurer ça, puis le mettre dans ma sacoche, puis comme ça, je vais pouvoir me créer des petits looks. J'ai besoin d'emmener une grosse palette. Donc, et voilà à quoi qu'elle ressemble. Elle est vraiment belle. C'est vraiment cute, les couleurs et tout. Puis, les couleurs sont superbes. OK, voilà. Moi, c'est vraiment les couleurs que je recherche. J'aime vraiment faire des looks un peu plus nude. Donc, c'est vraiment des couleurs parfaites pour moi.
Chez Sephora, j'ai eu mon petit cadeau de fête, donc j'ai choisi lui de Marc Jacobs. Donc dans le fond, vous avez un petit rouge à lèvres puis un petit crayon noir. Je vais pas les sortir là, mais c'est vraiment des petits produits à essayer qui vous donnent à votre fête. Voyons. J'ai été chez Jean Coutu. Yeah. De tout et on trouve même un ami. Vive Jean Coutu! Ouais. Fait que j'ai acheté plusieurs trucs. Donc, en premier, on va y aller avec le maquillage. Finally, en ma possession. Donc, c'est les NYX Liquid Suède. Donc, vous imaginez bien c'est quoi la couleur que j'ai pris. C'est Sandstorm, la couleur que tout le monde veut puis que personne trouve. Puis moi, il était jamais là quand je le voulais. Puis il est enfin là, fait que je l'ai pris. Je vais faire une photo sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram si vous voulez voir à quoi que ça ressemble sur mes lèvres. Ensuite, ça je l'ai pas acheté aux gens coutus, mais je l'ai acheté quand même dans une pharmacie, Uniprix, puis c'est des produits pour les lèvres, fait que je vais continuer avec le maquillage. Donc j'ai acheté le, comment ça s'appelle? Ultra HD Matte Lip Color de Revlon, donc dans la couleur... Je pense que ça s'appelle comme ça. Séduction. Donc, ça ressemble à ça ici. J'aime vraiment le packaging. Vraiment beau. Encore une fois, il y a vraiment du transparent. Puis, j'aime trop ça. Puis, je l'aime beaucoup. Très hydratant. Je l'ai déjà essayé sur mes lèvres. Puis, vraiment, là, je l'aime beaucoup. Fait que ça va être un produit que je vais vous reparler certainement dans d'autres vidéos. Ah, j'en avais pas eu l'année passée, je n'en avais pas acheté, j'étais vraiment déçue, donc dès que je les ai vus, j'ai sauté dessus. Donc c'est les Lipsies de Annabelle, donc c'est des baumes à lèvres qui goûtent, il y a plein de saveurs, donc ça goûte quelque chose. Moi c'est à la fraise, puis c'est vraiment pigmenté, je m'attendais pas à ça là, c'est très pigmenté puis vraiment hydratant, puis ça sent vraiment la fraise là. Fait que qui aime pas ça? Un produit pour les lèvres qui hydrate, qui fait de la couleur puis qu'en plus qui goûte bon. Oh my god. Non, vraiment. Pour ça, donc je vais revenir à Jean Coutu. Donc je me suis procuré les produits pour le visage. Donc en premier, je me suis procuré la mousse nettoyante éclat de Vichy de la gamme Pureté Thermale. Donc ça se rend à ça ici. J'aime vraiment le packaging, moi, tout ce qui est turquoise. Moi, là, vous avez une mousse nettoyante, là, je l'ai essayé une fois, puis I'm in love, pour de vrai, là, comme, c'est fantastique, ok? C'est super doux, ça nettoie super bien. Puis je l'ai pris pour peau sensible, là, parce que j'ai quand même la peau sèche sensible. Je veux pas quelque chose qui va m'irriter. Fait que non, vraiment là, je l'ai essayé une fois puis je suis déjà en amour. C'est sûr que ça va faire partie de mes favoris et que vous allez en entendre parler là. Enfin, j'ai des produits Uriage. Donc, je me suis procuré un petit kit comme ça ici. Donc, dans le fond, c'est des kits spéciaux pour la fête des mères. Puis, il était 24,95$. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis, vous avez trois produits à l'intérieur. Donc, dans le fond, je vais les sortir. Moi, j'ai pris, ça, c'est vraiment un produit que j'avais tellement hâte d'essayer. C'est l'eau thermale. Donc, je vous répète, c'est la gamme Uriage. Donc, je sais pas si elle est disponible dans toutes les pharmacies. Ça serait à voir, mais c'est dispo aux Jean Coutu. Donc, et voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je l'ai pas essayé encore. Donc, l'eau thermale, dans le fond, c'est... faite pour hydrater, apaiser, puis ça protège. Donc, on a un gel nettoyant, donc pour peau mixte à grasse. Donc ça nettoie, purifie et assainit. Gel nettoyant comme ça ici. Donc, j'ai hâte de l'essayer aussi. Et ensuite, on a un soin global. Donc ça, c'est vraiment le produit aussi que j'ai hâte d'essayer. Là, c'est... que j'avais hâte d'essayer, je veux dire. Donc, ça limite les boutons, points noirs, affine le grain de peau et matifie. Donc, c'est vraiment ça que je cherche pour mon nez parce que moi, mes pores sont très apparents. Donc, il ressemble à ça, le petit produit. Donc, et voilà pour Uriage. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Et moi, oh my god, finally!
je me suis procuré le livre de la belle Cynthia. Donc, Cynthia, si tu passes par là, je te salue. Je suis vraiment contente d'avoir enfin acheté ton livre. Je l'ai feuilleté vite, vite. Puis vraiment, là, c'est comme une bible, cette affaire-là, pour les filles. C'est que pour de vrai, là, vous avez tout, là, les soins, cheveux, visage, corps, etc. Vraiment, là, j'adore. Puis j'ai hâte de vraiment plus prendre le temps de lire. Là, j'attendais de vous le présenter. Mais vraiment, là, je l'adore. Donc, c'est le petit guide de la beauté par Cynthia Dilude. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère que c'était pas trop long. Là, je m'excuse, j'avais vraiment beaucoup de choses. Là, je vais faire du montage. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo-là. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Hello, hello, mes petits chats! J'espère que... Blablabla, j'avais un cheveu dans la bouche!